Polodion qui peut rentrer dans la zone. Une passe. Ouh, c'était remis vers le centre par le joueur d'Anglette. Mais ça n'a trouvé aucune palette. Le shoot. Et directement la passe. Et le premier but d'Anglette. Dans ce début du match, ça fait 1-0. Et ouais, ouverture du score très tôt dans ce match. Un début difficile du côté des boxeurs. Et on va pouvoir reprendre avec l'engagement. Et l'engagement qui est gagné par les boxeurs avec Jules Bosque pour Weinmann. Letchman qui fait le tour de la cage, qui trouve Spinozzi, le shoot et le but. Et l'égalisation du score. Ça fait un partout à Mériadec. Deux buts rapides des deux équipes, Angela Lynn. Dokok pour Polo Diano. Oh là là, le festival, un dribble. La passe et le but de Jules Gallet. Très belle action de nouveau pour ce but. Très très beau dribble d'Anglette, Polo Diane. C'est la deuxième fois qu'il en fait des comme ça. Il y a aussi une comme ça. Puis après il délivre une passe. Parfaite à son coéquipier. Ça fait 2-1 pour Anglette. Et on va pouvoir reprendre avec le palais qui est gagné par Anglette. Un shoot, oh, la déviation aurait pu être intéressante. Good ball, base pour Polo Diane. En bas pour Vassilev. Pour Polo Diane. Un shoot et c'est le but. Troisième but d'Anglette sur ce power play. But pour Anglette. Marqué par le numéro 17. Michal Koudwold, il me semble, sur une assistance de Polo Diane une nouvelle fois. Ça fait 3-1 pour Anglette avant la fin de ce premier tiers. Normandy qui met un grand impact à Mériadec aujourd'hui. Il prend donc un écart d'un but de plus. Palais à la cage directement une nouvelle fois. Mais il est contré. Là on a un 2 contre 1 à jouer pour les boxeurs avec le goal. Et Vitou. Le shoot de Vitou et le but. Le but de Louis Vitou. Sur une assist de Lego. Ça fait 3-2. Réduction du score par Bordeaux. Très belle action là des Bordelais, hein, 2 contre 1 bien exécuté suite à l'erreur de Fremont là. C'est impardonnable. Et ça fait 3-2 toujours pour Normandie. Mais les boxeurs qui réduisent le score dans ce match. Et le palais qui est gagné par Poudrier. Lévesque pour Spinozzi. Un shoot, c'est dévié et le but. L'égalisation du score des boxeurs de Bordeaux. Sadek. Et on va pouvoir se relancer du côté d'Anglette avec Decoq pour Renen. Carbonen qui va pouvoir rentrer dans la zone. Chercher à installer maintenant du côté d'Anglette. Goodwald de nouveau. Carbonen
Shoot et le but d'Anglette. C'est la victoire d'Anglette dans ce derby en prolongation. 4 à 3 pendant ce power play. Victoire du derby par la Normandie. C'est les deux matchs qui ont été gagnés. Et bien sûr.